Allez, maintenant, elle est chic. Vous n'allez pas lui montrer comment s'habiller. Vous n'allez pas montrer à son mari comment s'habiller. Vous n'allez pas lui montrer la Guinée, elle connaît déjà. Vous n'allez pas lui montrer les cadres honnêtes ou malhonnêtes, elle les connaît déjà. Vous voulez des gens qui viennent, comme la femme de Dadis, qu'elle est venue. Mais la dame, là, même, comment elle est habillée, là? Ah, non, mais vraiment, ça, c'est quel président, quoi? Quand Yenel Kaba est venu, ah, Yenel Kaba, ils sont sacs, là. Non, 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 mais eux, non, mais les Guinéens, mais elle va connaître même, là, c'est quoi toutes ces bagues, là? Ils aiment ça. C'est ça que les Guinéens aiment. Les petites personnes, les petites choses. Pour que lui, il soit mieux que toi. Voilà. Donc, Amadou Damaro dit qu'il n'a pas peur de la guerre. Il l'a dit ici. S'il y a des gens qui cherchent quelqu'un qui veut mettre le feu, allez-y l'attraper. Malik Sanko a sa milice. Il l'a dit. Allez-y le prendre. Yenel Kaba, elle a déjà des problèmes. Vous pouvez rajouter votre plainte et vous laisser l'UFDG tranquille. L'UFDG a déjà humilié Alpha. Il est humilié là où il est là. C'est pourquoi quand tu parles des résultats, là, les RPG sont malades. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Alpha a montré qu'il ne veut pas qu'on parle de ça. N'ayez aucun doute, il n'a pas gagné. La constitution a été votée. Il a falsifié cette constitution devant tout le monde. Tout le monde a vu que c'était falsifié. Ça, c'était visible. Mais falsifier les résultats des urnes pour se maintenir, c'est quoi? C'est juste un clic. Ça, c'est un jeu d'enfant. Ce n'est rien du tout. Et ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'est comme l'affaire de drogue. Il a trouvé tout ça en place. La drogue, tricher dans les élections. C'est pourquoi il a gardé ce groupe-là. C'est pourquoi il est avec ce groupe-là. C'est tout. C'est les intérêts. Le groupe-là ne l'aime pas. Il n'aime pas ce groupe. Ils ne s'aiment pas entre eux. Chacun se positionne pour avoir sa petite place. Yenel Kaba, elle sait que Alpha ne l'aime pas. Elle n'aime pas Alpha. Tout ce qu'elle veut, on a vu aujourd'hui. On le savait. Nous sommes en train de voir les preuves concrètes. Tout commence à se concrétiser. Mais il a fallu qu'on passe par cette méthode. Et beaucoup de choses vont sortir progressivement, progressivement, progressivement. Il faut traquer le mensonge. Il faut traquer le mensonge dans n'importe quel trou. Le mensonge, tu le sors de là, tu le déshabilles, tu le mets devant tout le monde. Voilà, c'est ça. Les gens sont méchants. Ces RPGistes-là qui parlent ici, c'est des gens très méchants, très mauvais, très, très manipulateurs. Très, très, très manipulateurs. La fois dernière, quelqu'un a écrit ici que, Kossi Soko peut le masquer parce qu'ils ont reçu cette mauvaise éducation. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas... Toi, tu es Sissoko, tu ne peux pas parler comme ça. Non, toi, tu es Sissoko, il faut être avec ce groupe ethnique-là, ce groupe des gens qu'on dribble depuis des générations. On dribble vos parents. Regardez la Haute Guinée. Ils n'ont même pas d'eau. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, qu'est-ce que... Quelqu'un qui a gouverné 10 ans, ou 5 ans, ou 1 an, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. On a une idée de la personne. C'est quelqu'un qu'on connaît. Soit il a bien travaillé ou mal travaillé, mais il n'est plus à présenter. On le connaît. Donc, Alpha, là, je ne comprends même pas c'est quoi le projet. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et on sait qu'il est là, on sait ce qu'il fait. Si c'est bon, si c'est pas bon, on le sait. Mais quelqu'un qui n'a jamais gouverné, mais comme vous comparez ancien premier ministre à président qui a gouverné 10 ans, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'ils sont limités. Très, très limités. Ce gars-là, c'est un bon arrière. Alpha est un bon arrière, suivi par des bons arrières, défendu par les bons arrières. C'est comme ça. Même si c'est ton frère, s'il est avec Alpha, c'est un bon arrière. Surtout le troisième mandat, là. Ça, c'est purement... Alors là, ça c'est encore plus grave que les autres mandats. C'est encore pire. Vous allez voir, les choses vont se dessiner. Les choses vont se dessiner. Donc, Alpha dit que si ça doit péter, il va les laisser dedans. Vous vous rappelez, Mme Sanou Doussou-Kondé a dit la fois dernière qu'aucun ministre n'est dans la confidence. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire, tout ce que Alpha pense au fond de lui, aucune personne parmi eux là-bas n'est au courant. Parce qu'il se dit que les gens-là l'ont mis dans l'erreur. Les gens-là ne l'aiment pas. Les gens-là sont pressés de sa mort. Pardon. Donc, si ça doit péter en Guinée, là-bas, ça n'a qu'à péter, il s'en fout. Le jour qu'il aura une porte de sortie, il partira. Inch'Allah. C'est ça son dernier recours. Sinon, ils vont tous périr dedans là-bas. Mais il ne va pas les laisser. C'est ça le truc. Et ça, c'est une source très, très sûre. On va tendre l'oreille. Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a deux catégories d'informations. Il y a des informations vraies. Il y a des informations qui sont vraies et fausses. C'est-à-dire,
ils disent de faire passer cette information pour amener les gens sur une mauvaise piste. Donc ça, c'est une information fausse et vraie, c'est-à-dire ça vient de là-bas, mais ils n'ont pas l'intention de le faire. Ils veulent que vous amenez sur une mauvaise piste et en même temps vous décrédibiliser. Il y a des informations vraies comme ça qu'ils disent. Après, ils veulent voir la réaction des gens parce que leur vie, c'est les réseaux sociaux. Ils rigolent. C'est vous qui rigolez avec ça. Eux, ils ne jouent pas avec ça. Hein, parce qu'ils savent que les Occidentaux regardent. Ils savent que c'est ce que les gens regardent. C'est ce que les gens regardent. Ce n'est pas autre chose. Non, les journalistes, les gens ne font pas trop confiance. Voilà, les journalistes sont là. C'est des entités. Bon, ce n'est pas évident. Les gens aussi, ça dépend. Les gens regardent ta sincérité. Les gens se renseignent. Est-ce que tu es payé? Est-ce que tu n'es pas... Oui, les gens se renseignent. Les gens ont les renseignements. Il suffit, vous savez, il suffit d'un clip. Envoyer de l'argent à quelqu'un, tout le monde est au courant qu'elle a reçu de l'argent. Le jour qu'ils veulent sortir, ça, ils vont sortir. Avec preuve à l'appui, c'est pas caché. Non. Donc, les gens cherchent là où il y a un peu de crédibilité parce que c'est devenu très très compliqué. Donc, normalement, dans sa tête, c'est une éventualité. Pourquoi pas? Vous savez qu'à un moment donné, le feu président Conté aussi avait dit ça à ses ministres. Que vous êtes tous là en train de bouffer l'argent. Le jour que la communauté internationale va venir, vous voulez poser ça sur ma tête, ils vont tous vous ramasser. Ils ont peur d'eux, parce que c'est ceux-là qui leur donnent de l'argent. Regardez la fois dernière. Et là, je te le donne, celui qui a été élu dans les urnes, vous allez refuser ça, vous allez dire pourquoi il n'est pas assez retourné. Pourquoi il va être assez? Vous avez mis les armes partout. L'armée vous appartient. Donc, c'est vous qui aimez la guerre. C'est vous qui aimez la guerre, mon ami. C'est vous qui voulez des problèmes, mais vous voulez poser ça sur la tête des gens. Vous êtes là, vous rentrez chez les gens, vous les violez. Vous rentrez chez les gens, vous les tuez. Mais ils vont se défendre à un moment donné. Manifester là, c'est un droit normalement. Si c'est un état de droit, et si vous avez la bouche, et si vous n'êtes pas haineux, et si vous n'êtes pas là pour mélanger les ethnies, vous mélangez les ethnies, vous vous positionnez. Et les cognacés là qui communiquent ici, ils ne veulent pas que ça, ça se sache d'eux. Ils ne veulent pas que ça, ça se sache. Mais ils veulent mettre les RPGistes à mal, les vrais RPGistes. Mais eux se positionnent. Maintenant, ils ont deux plans. Si Alpha meurt, Damaro peut se positionner. Si Alpha ne meurt pas, peu importe. Vous comprenez? Mais il faut pousser les gens vers Dalin, vers sa communauté, pour les détester, pour les haïr, pour les étouffer, même sur les réseaux sociaux, pour les étouffer. Dès qu'on dit, oh, vous là, vous êtes ci, vous êtes... Eux-mêmes, ils sont en train de défendre leur petite tasse. Comme vous voyez, comment les gens sont mauvais, comment les gens sont méchants et hypocrites. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je ne pense pas si vous allez intervenir aujourd'hui. La haute guinée de Salut Alpha. Voilà. Regardez la route. Regardez l'eau. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Madame Manouti Culturelle, comment tu vas? Bonsoir à vous tous. Voilà, donc ne sortez pas, les jeunes de l'Axe, s'il vous plaît, restez chez vous. Arrêtez de sortir. Arrêtez de sortir, restez chez vous. Même si on vient vous prendre dans votre maison de sortir, ne sortez pas. Laissez le temps au temps. Il faut pas... Les choses vont sortir. Alhamdoulilah, Dieu merci. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, vous ne saviez pas cela. Moi aussi, je ne savais, je savais pas ça à 100%. Mais c'est le temps qui fait qu'on sait ça. Oui. Et c'est le temps-là qui évite, qui nous évite les pièges. Les Guinéens sont très méchants. Très, très méchants. Surtout quand il s'agit de cette histoire de peuple. Parce que ethniquement, c'est eux qui bloquent. Oui. Comme si eux, ils ne pouvaient pas se présenter. Amadou Damaro pouvait se présenter. Amadou Damaro devait se présenter, dire à Alpha, hey, moi, je peux te... Je peux te remplacer. Je me présente. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous vous mettez derrière lui. Au cas, quand il meurt. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle petitesse ça? Quand tu attends la mort de quelqu'un et tu dis que tu n'as pas peur de la guerre. Paradoxe. Non, mais écrit.
On va un peu écouter Alpha Condé. Ah, Gaou. Il est sale avec ses ongles noirs. Là. Même ses mains, on dirait pour lui ça. Vous n'avez pas remarqué les mains de Alpha ici là. Tout ça là, c'est noir. C'est ce que vous méritez. C'est le montage de ML Fadiga. Le biscuit. Hein? Est-ce que les enfants mangent beaucoup de biscuits? Tu as l'usine de biscuits. Ah si, l'usine de. L'usine. Attendez. Sous ça. Sous ça. Connected. Voilà. Nous allons faire le chemin de fer et le. Suite, nous allons vous donner le et l'électricité. Voilà. Qu'est-ce du goût? Prochaine étape ici autour. L'usine de. Biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Hein? Les saucettes, le lollipop. Saucettes, sucettes, bonbons. Ensuite, un chewing-gum. Cube magique, chewing-gum. Ensuite, cube magique. Oui. Mais je te dis, hein, cube magique de bonne qualité, parce que cube magique, comme moi, en Guinée, très mauvais, bon, ça donne mal au ventre. Oui, prochaine étape, ici, octobre, l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Oui. Hein? Les saucettes, le lollipop. Saucettes, sucettes, bonbons. Ensuite, un chewing-gum. Cube magique, chewing-gum. Ensuite, cube magique. Oui. Vous attendez ou pas? Cube magique de bonne qualité, parce que cube magique, comme moi, en Guinée, très mauvais, ça donne mal au ventre. Maï Manda, normalement, il est nous, il a dit l'ambé. Mais il est bien par l'état, c'est du tourné. Vu qu'on était ami, Hanto, à quand il a voulu s'en débarrasser, un mouvement s'en débarrasse, à état, dans un état, à la langue du monnaie. Préfet n'est pas pour tirer, non à bourrer à son monnaie. Non, moi, je me suis dit que je parce que je suis pour tirer. À cadre, n'a rien à l'humanité, n'a pas tiré. Nous, on a quand il a on a indemnisé. Comment réduire les coûts de construction de ces logements? C'est arrivé là-bas. Vous êtes comme des cabris, comme des tablettes, tablettes. Contre toute attente, le président Alpha Condé a décidé de suspendre les tablettes jusqu'à ce qu'il soit de bonne humeur. J'ai décidé, j'ai dit au ministre, l'enseignement supérieur, on suspend les tablettes jusqu'à ordre nouvel ordre. C'est pas un droit, c'est une mesure. L'éducation en Guinée est malade, a-t-il dit, avant de révéler le niveau médiocre de l'étudiant guinéen. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisards,
c'est même pas capable de faire une page sans, faute de, sans faire de faute, même pas une page. Alors pour une réplique, tout ça n'était pas suffisant. Clap, séquence 4, action. Vous savez, j'ai été étudiant avant vous. J'ai été syndicaliste étudiant. Donc, vous pouvez impressionner vos professeurs ou vos ministres. Moi, vous n'impressionnez pas, vous pouvez sauter crier jusqu'à demain, ça ne fait ni chaud ni froid. Oh my God! Alors, ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Comme toi, même. Mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Mal élevés, mal éduqués. C'est tout. C'était plus entre un président et son peuple, c'était plutôt entre le prof et ses étudiants. On poursuit avec la citation du jour. Vous savez, les Chinois disent que quand un arbre a courbé à droite, pour le laisser, il faut le courber à gauche. On va vous courber à gauche, quand vous regardez, vous serez tout droit. On va vous apprendre à être ce qu'est un étudiant responsable. On va vous l'apprendre. Parce que vous n'êtes pas digne de cela. Parce que vous n'êtes pas digne de cela. Parce que vous n'êtes pas digne de cela. Non, on va se dire la vérité. Hein. Il était hyper fâché, monsieur le président. Vous n'êtes pas dans la salle ici le reflet de tous les étudiants guinéens en Guinée. Vous n'êtes pas le reflet. Vous êtes quelques petits excités dans la salle qui s'agit. Pendant une dizaine de minutes, le discours pour la circonstance, je précise, avait été mis de côté. Un des ministres a tenté de calmer le président et sa réponse a été celle-ci. Arrêtez, c'est pas la peine de me dire d'arrêter. C'est vous qui avez peur des étudiants. Moi, j'étais besoin des étudiants africains. Je ne peux pas avoir peur des étudiants. Surtout des petits présentateurs comme ça qui s'agitent. Vous le savez bien, au même titre que moi, que quand le président Alpha Condé se fâche, il ne regarde pas où mettre le pied. Ces gorilles l'ont compris et l'ont tout de suite cerné. Alors, dis que quand il est politicien féro. Vous pouvez impressionner vos professeurs ou vos amis. Les abonnés, les malgré sont fâchés. On a eu des résultats. Il faut les laisser s'agiter. Moi, je ne veux pas personne. Je m'occupe de développer la Guinée, de travailler pour les jeunes. Les jeunes n'ont pas de mémoire. Normalement, tu as eu. L'homme n'a jamais tu as eu. Mais ils ont été bêtes. Ils ont été bêtes. Ils se sont laissés manipuler. Ceux qui ont amené les premiers tracts en Guinée pendant la clandestinité, c'est les fils de Lola. C'est les fils de Lola. Et les jeunes Baga. Mais ensuite, les gens sont venus de Cancan. Je m'en fous. Ce qui va être ministre s'agit, c'est leur problème. Ce qui est d'être candidat en 2020, c'est leur problème. C'est leur affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, moi, c'est pour l'ampleur des promesses que j'ai fait au peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à s'agiter comme des cabris. Ils n'ont qu'à s'agiter, s'agiter. Et Ibita, la même chose qui a là ça. Il me dit que comment on le dit. Et alors, plus le 16 monte haut, plus on verra son derrière. On a eu le problème. Quels sont les gens qui l'insultaient? Disaient ceci. Ce sont des dirigeants malinqués du bureau politique. Ah bon? Eux. Aujourd'hui, on va dire la vérité au cas de Malinqué. Les gens n'ont pas de mémoire. Bien, nous là, Malinqué, haute Guinée. Mais ils ont été bêtes. Aujourd'hui, on va dire la vérité au cas de Malinqué. Les gens n'ont pas de mémoire. Bien, nous là, Malinqué, haute Guinée. Les gens n'ont pas de mémoire. Ça s'agitait comme des cabris. Mais ils ont été bêtes. Les gens qui vont le plus combattre dans ce pays, c'est les cas de Malinqué. Et tout le monde sait que les Malinqués n'ont pas soutenu le pouvoir de ce coup. Quand on n'était pas avec eux, plus le 16 monte haut, plus on verra son derrière. Je m'en fous. Plus le 16 monte haut, plus on verra son derrière. Je m'en fous. Ils se sont laissés manipuler.
Je m'en fous. Ils se sont laissés manipuler. Je m'en fous. Ils se sont laissés manipuler. Je m'en fous. Je m'en fous. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que... Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Ce pays, c'est le cas de Malinké. Malinké sont fâchés en 91. Quand une carrefour, que l'on donne à tort, ce sont les blancs à partir d'une fois à la Katambialdi. Un carrefour, à vous n'avez pas le forum, allez le bonheur. Voilà, il y a une histoire longue. Ni manano, un bébé, un refli, pour dire. Je l'ai dit, je ne suis pas venu pour donner le pouvoir au Malinké. Je suis venu pour mon parti s'appelle Rassemblement du peuple de Guinée. Et là, nous avons été bâmés et Colombayer PG Bémara, nous avons été bâmés là. Et tout le monde sait que les Malinkés n'ont pas soutenu le pouvoir de Sékou. Quand ils n'étaient pas avec Sékou, ils pensent qu'ils vont diriger le PD, pas là leur nom. Il faut les laisser s'agiter, pas le nom du PG. C'est les militants qui vont les écraser comme ils ont écrasé les autres. C'est pourquoi je suis tranquille, vous voyez, hein, vous voyez. Mais j'ai dit aussi que l'impunité c'est fini. Même ceux qui disent qu'ils sont mes parents, s'il faut des sanctions. Ceux qui pensent qu'ils sont proches de moi, qu'ils ne peuvent pas frapper, ils vont être surpris. J'ai commencé, vous avez vu hier. On dit au Malinké, il ne veut pas donner de courant. Il donne du courant à la base Guinée, frère, etc. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais où je vais. Il peut vous raconter, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant les élections présidentielles, on a dit, ah, là où il est abandonné, les Malinkés sont fâchés. On a eu les résultats. Il faut les laisser s'agiter. Moi, je ne le crois à personne. Je m'occupe de développer la Guinée. Les travailler pour les jeunes. Les gens n'ont pas de mémoire. Normalement, tu as eu. Mais ils ont été bêtes. Ils se sont laissés manipuler. Ceux qui ont amené les premiers tracts en Guinée pendant la clandestinité, c'est les fils de Lola. C'est les fils de Lola. Et les jeunes bagarres. Mais, ensuite, les gens sont venus de Cancan. Je m'en fous. Ce que le ministre s'agit, c'est leur problème. Ce qui est d'être candidat en 2020, c'est leur problème. C'est leur affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, moi, c'est pour l'emploi des promesses que j'ai fait au peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à s'agiter comme des cabris. Ils n'ont qu'à s'agiter. Et Ibita, la même pas qui a là ça. Il me dit que comment on dit. Plus le singe monte haut, plus on verra son derrière. Quels sont les gens qui l'insultaient? Je disais ceci. Ce sont des dirigeants malinqués du groupe politique. Eux. Aujourd'hui, on va dire la vérité au cadre malinqué. Les gens n'ont pas de mémoire. Mais ils ont été bêtes. Aujourd'hui, on va dire la vérité au cadre malinqué. Les gens n'ont pas de mémoire. Les gens n'ont pas de mémoire. Ça s'agitait comme des cabris. Mais ils ont été bêtes. Les gens qui m'ont le plus combattu dans ce pays, c'est les cadres malinqués. Et tout le monde sait que les malinqués n'ont pas soutenu le pouvoir de Sékou. Quand on n'était pas avec Sékou, plus le singe monte haut, plus on verra son derrière. Je m'en fous. Plus le singe monte haut, plus on verra son derrière. Je m'en fous. Ils se sont laissés manipuler. Je m'en fous. Ils se sont laissés manipuler. Je m'en fous. Ils se sont laissés manipuler. Je m'en fous. Je m'en fous. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que... Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Vous savez, les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. 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 Alors, c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. Alors, c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. Ce qui va se passer. Et désormais, le bien de l'État sera respecté. C'est l'année 2021 et l'année de la transformation complète de la Guinée. Les gens sont venus. Moi, on a jamais vu en prison. Les gens qui sont en prison, ce sont... S'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Manika, Haute-Guinée, Altaïa. Aujourd'hui, on va dire la vérité aux cadres malinqués. Les gens qui vont le plus combattre dans ce pays, c'est les cadres malinqués. Les malinqués sont fâchés en 91. Quand Nkafon, que l'on donne à tort, ce sont les blancs. Mais, lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que... Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraude se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Bon, le sketch est terminé. Je vous dis merci pour les partages et les commentaires. Et puis, ça, c'est un montage de Emel Fadiga. Voilà. Donc, c'est lui qui a fait ça. Vous l'avez déjà vu ici plusieurs fois, il n'est pas à présenter. Tout à l'heure, je lui ai dit de m'envoyer un truc, donc il m'a envoyé ça. Je vous dis peut-être demain, après-demain, Inch'Allah, je ne sais pas. Vous savez, ça dépend, hein, ça dépend du temps, de la situation, de la position, de tout un ensemble de choses. Et que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, mais il ne peut pas nous aider si nous ne sommes pas sur son chemin à lui. Prier, c'est autre chose. Être avec lui, ça aussi c'est une autre chose. Donc qu'Allah nous enlève dans les griffes de ces démoniaques. Vous voyez, lui il dit que pourquoi il y a les guerres en Afrique, quand on se fait tricher à chaque élection, à la fin on prend les armes. C'est Alpha qui le dit, c'est pas moi. Donc ça c'est des gens qui sont violents. Il est entouré de personnes très violentes. Alpha il est comme ça, il aime la violence, il aime la bagarre. Il est sauvage, il est vulgaire. Vous voyez sur lui, c'est quelqu'un de très, très vulgaire. Donc, ça, c'est pas caché. Et les gens de son espèce, c'est des gens très, très vulgaires. Voilà. Donc, quand on est poli face à ce genre de personnes, je pense que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais on ne va pas changer sa façon d'être à cause de quelqu'un de raté, d'un espoir complètement raté. Vous voyez la Haute-Guinée.
comment c'est? C'est pas une question de il n'est pas président de la Haute-Guinée. Non, si les gens de la Haute-Guinée ont refusé le goudron, ils ont refusé ci, ils ont refusé ça, parce qu'ils pensaient qu'il fallait mieux faire. Bon, ça c'est leur façon de voir les choses. Moi, je n'ai pas compris ça aussi, hein. Mais bon, vous savez, il faut que tout cela se passe pour qu'on sache dans l'avenir quoi faire. Donc, il faut que vous vous réveillez, que vous vous réveillez et vous mettez ces histoires ethniques de côté et acceptez la vérité. S'il y a des gens qui veulent brûler la Guinée, on les connaît déjà. Ce n'est pas caché. Ça, on le sait déjà. Maintenant, si tout le monde veut se braquer contre une seule ethnie parce que ce sont eux qui font le poids, ce sont eux qui peuvent vous fatiguer, donc vous dites eux, on les écarte déjà. D'ailleurs, il a la popularité. Il est ci, il est ça, il connaît le pays, machin et tout, il est aimé. On va l'écarter. Donc, toutes les ethnies, vous, que ce soit les réseaux sociaux ou ailleurs, tout le monde se jette sur l'UFDG et les militants de l'UFDG. Moi, je ne vais pas accepter cela. Je ne l'accepterai pas. Des gens qui font cela, qui veulent imposer le mensonge à leurs propres frères et sœurs guinéens, bon, souvent, ceux qui le font, je vous le dis, ils ont d'autres papiers. Ils n'ont pas les papiers par rapport à la Guinée. Donc, quoi qu'il en soit, ils s'en fichent un peu. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Mais progressivement, nous allons découvrir les choses. Vous voyez, ça, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. C'est lui qui est en train de parler, hein. Vous reconnaissez sa voix, même si vous ne voyez pas les images. Et les gens savent cela. Le fait qu'Amadou Damaro aussi a dit que les Cognacais n'ont pas peur de la guerre, au lieu de se dire que moi, Amadou Damaro, je n'ai pas peur de la guerre, il dit carrément les Cognacais. Donc, quand ethniquement, on veut accuser le peuple, en même temps, on dit que c'est Lodel un poltron, il n'est pas un bon politicien. Il n'est pas un bon politicien. Il est bien élevé. C'est quoi un bon politicien? Tu vas dans les urnes, tu terrasses. Mais Alpha vient de dire. Donc ça, c'est une banalité. Tricher dans les urnes, je vous l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut que la Guinée sorte de cette tradition-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire, on est tellement dans l'anormal que le Guinéen pense que tricher une élection, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi quand moi je parle de cela, ça les choque. Mais le monsieur, il a volé, il a triché. Au vu et au su de tout le monde, ça c'est une banalité. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous êtes en train de vous convaincre d'un mensonge. Et vous voulez imposer ce mensonge aux gens. Non. Vous pouvez rester dans votre serrotorie à tout pourri et tout moisi. Voilà, lui, il est en vadrouille. Soit sa femme louée de bail tellement que ce pays, les gens sont lâches. Vous avez un couple qui sont mariés, qui ont des petits-enfants, qui sont mariés plus de 30 ans. Vous allez ramasser des ratés, deux ratés, une narco et un voyou. Vous les mettez ensemble et vous êtes surpris, ça ne va pas. Vous pleurez à gauche, à droite. Que voulez-vous que ça aille? Vous vous moquez de qui? Mais il faut arrêter de vous moquer des gens. Il faut arrêter de vous moquer des gens. Voilà. Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Comme vous aimez le mensonge, on vous a amené Alpha. Pour l'instant, avant de démonter tous les mensonges, il va vous servir un peu d'abord. Et puis on verra à ce moment-là. Les gens qui n'ont pas de peur de la guerre, là, c'est vous qui avez dit. Donc, peut-être qu'on compte sur vous pour les dégager. Mais quoi qu'il en soit, quiconque essaie de récupérer le pouvoir, là, tu l'as récupéré pour Elage Feloudel Ngallo. Parce que lui, il a eu le cœur de se présenter. Le peuple, quoi ça, là. Lui, il s'est présenté. Vous êtes costaud, vous êtes grand, vous avez des milices, vous avez l'art, vous avez tout. Il fallait vous présenter aussi. C'est ça un nom. Voilà, à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Les RPGistes, vous allez bientôt être mes super fans. Arrêtez de venir sur cette page-là. Arrêtez de venir sur cette page. Moi, je ne vais jamais dire du bien de Alpha parce que c'est un pourri, c'est un raté, c'est un espoir raté. Acceptez la vérité. Vous acceptez la vérité, vous n'acceptez pas la vérité. La vérité va sortir, elle va sortir tout seul. Y'en a qu'à bas narco. Oh, c'est si, c'est ça. Voilà, maintenant, c'est sorti. C'est ça. Ça va sortir progressivement. Il faut du temps au temps. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah Wombaï Sentane, tu es là. Ne rébrine na réseaux sociaux, ma ne rébrine na kenem, dungure, l'on nous d'a l'uyo utilisé fait. Et ranon di non. Et ran la guinée de ratantan. Et ran la raconie ratantan. Allah Wore yerebi. Allah Woma kenem. Kiti sa mengena ya hakim na hakiti sa. Wotam nous non di taki. Wule ma doukwe. C'est-à-dire, on parle de bourre, Adam a dit, on voulait parler, on voulait dire, on voulait dire, on dit tout. On est ethnie, on est bourre. Mais rien n'a dit, on est allé dans le bourre, on est allé dans le bourre. On est allé dans le bourre, on est allé. Parce qu'il est allé, il est allé, il est allé, il est allé, il est allé. Ça, c'est une affaire de 13 millions de personnes.
Ce que Alpha n'a pas fait en 10 ans, il ne le fera pas en 5 ans. C'est même pas possible. Il a eu une chance pour qu'on nous montre qui il est. C'est pourquoi on a bricolé le pouvoir pour lui donner facilement et bêtement et banalement. Pour qu'on sache qui il est. Il s'est montré, le voilà. Nous, on ne connaissait pas les vidéos, là, on ne connaissait pas tout ça, mais grâce à lui, on voit le visage on voit le visage des gens grâce à lui. Alpha est venu pour montrer qui sont les sataniques dans ce pays-là. Même vos religieux, ils ne servent pas Allah. C'est une mosquée noire. C'est une mosquée noire qui est en Guinée. Quand vous parlez de vos religieux, qu'est-ce qu'un religieux fait avec une voiture administrative? Qu'est-ce qu'il faut avec les vies à ces gens-là? Votre imam dit qu'il n'est pas pour le troisième mandat parce qu'Alpha n'a pas dit. Qu'Alpha va dire, Alpha a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et il se retrouve dans une investiture. Tu n'es pas politicien. Mais il fallait dire que je suis désolée. Mais je ne veux pas me mêler à ça. Mais tu ne peux pas dire ça. Parce que Allah veut montrer que tu n'es pas avec lui. Iblis aussi veut montrer que c'est à cause de lui qu'on est en train de le démasquer. Qu'il est sur le territoire guinéen. Voilà. Inch'Allah, à bientôt. Allah Wombagi, Iblis Tikeira. Alpha est maudit d'Allah et maudit d'Iblis. C'est lui qui fait qu'on est en train de démasquer Iblis. Amoussouma, Amoussalima, ils se droguent. Tout leur groupe là se drogue. Ils couchent entre eux. Ils couchent avec les petits garçons. Les petits garçons se marient entre eux aujourd'hui. Les filles se marient entre elles en Guinée. C'est pas ailleurs. C'est Alpha qui a mené tout ça. C'est lui qui a officialisé tout ça. Vous êtes assis. Vous les religieux, vous regardez ça. Maintenant, une femme va mettre le voile intégral. Vous allez dire d'enlever le voile intégral. Subhanallah. Allah ou salifi. Allah a quitté ça. Quitté ça. Mengena. Allah nana. A quitté ça. Wotan mou moutan taki. Wotan mou le falé. Nere wa mo non di no kun fe. Allah ou reyere bi. Wono ni nou dalil yo itilize fe. Allah subhanahu wa ta'ala na atan lo ni da. Atan an wotan fanda. Wolu etni yo. Wolu bor politik yo. Wolu dorbe. Wolu wule ma tenge tenge. Sefera. Wolu meje bi da wibore. Wono di kolon. On ne me retourne fou les contre. Wa colonne d'aller n'en gagner. Wa colonne me rebatte nana, me re wam gere wamba. Ouane ta makoto, ouane mara tuntum fou les mauvais manoro. Mala ou manoro. Ala ou rebi. Patumenge yomona, ba ala swana talara. Prophète Mohammed paye salut sur nana na hara. Hana qui n'est pas ala non di mali. Ala soum na guinée mali. Nere na araba fe ala nou ala na won ala mara ala ou makene ala ou rebi. Ala ou ba souture. Ça c'est au souture. Ala ko ba kui yene kaba imone place ina alimatu dale nan place ala kida yerebi ala kiba suture ala la gine ke non ditu ala ya nuru ala gine ke ba dimi la gine ke na dimi yo oti gine ke na dimi yo bas gine ke na dimi yo moyen gine ke na dimi yo fore na dimi yo ala ko ba dimi ala ga nuru rosu wo so ndu nuru nyen ge nuru boyema wo kanu ditu wo ha kolo awo mu na ala ga yi ona iblis na ni iblis ka representant nana alfara. Ce sera Fonsentane Magunu Nanara. Anouama Limé. Et vous me rigoire Yoto Malfa Konde Fora. Et vous me rigoire Yoto Malfa Konde Tan Defendu Fira. Me rigoire et bien Marie Yama. Me rigoire et bien Marque la Fora. Quand Mirima Fora et ni Fira, Mirina Fora se Finana. Mirina Fora a intérêt à Finana. Ou bien Miri à ta modèle. Donira Fan Nerema. Fetra Fan Nerema. Dunira Fan Nerema. Les gens qui sont avec la Dunia. C'est cette catégorie qui est avec ce vaurien là. Je vais m'asseoir regarder ça. Je ne vais pas le faire. Qu'Allah me donne la force de continuer. Qu'Allah me donne la force de vous démasquer. Qu'Allah me donne la force de vous anéantir. Vous les menteurs qui sont là. Vous les menteurs qui mélangez les gens. Cause des ethnies. Parce que vous voulez positionner votre ethnie. Il fallait vous battre. Il fallait vous lever, vous présenter. Ce n'est pas écrit que telle ethnie ne doit pas se présenter. Non. Je ne pense pas. Toutes les ethnies peuvent se présenter aux élections. Mais vous n'avez pas le cœur de le faire. Celui qui le fait, vous voulez le bloquer. Vous voulez le ridiculiser. Tandis que vous êtes en train de le grandir. Tout ce que vous faites aujourd'hui, si El Hadj Selou Dalein Diallo, de celui qui a gagné dans les urnes, s'il était à 50% loin du pouvoir, aujourd'hui là, 99,99%, pensez que Allah peut faire ça à quelqu'un? Tout ce que vous lui faites là, sans que lui ne gouverne la Guinée, sans qu'il ne change, il n'apporte quelque chose que Alpha n'a pas apporté. Mes frères et sœurs, descendez de ce bateau de la honte. Descendez de cette voiture de la honte. Descendez de cette moto de la honte. Il ne faut pas que la honte vous tue. Parce que moi, le jour que la honte va sortir, je vais le dire,
et ça ne sera pas ici. Ma voix, Inch'Allah, ça sera plus loin. Aujourd'hui, je n'ai que ça. Demain, j'aurai autre chose. Alpha est malade, il est pourri de partout. Il est vieux et malade. Et il y a quelqu'un parmi eux là-bas. Ils ont un plan. Quelqu'un m'a dit ça, mais je commence à croire à cette personne-là parce que tout ce qu'il m'a dit, c'est en train de sortir. Que en cas, on ne sait jamais, il y a une personne, si c'est quoi là, pour qu'on dise que Alpha a une incapacité de gérer, on va mettre cela. Tout ça pour éviter d'aller. Mais il y a quelqu'un parmi eux, Alpha a dit que cette personne-là est malade. Donc lui, il n'a qu'à lever sa bouche dans l'affaire de pouvoir là. Je ne sais même pas c'est qui. En tout cas, même si je sais, je ne vais pas vous dire que cette personne-là est très malade, qu'il se retire de cette affaire de pouvoir là. Donc, il a plusieurs... Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de plans. Très, très souvent des plans machiavéliques parce que c'est un satanique. Il n'est pas lui-même. Tous les serpents qu'il a dans le corps là, tous les serpents que les femmes là ont dans leur corps, c'est eux qui défendent Alpha souvent. Les serpents viennent rentrer dans leur affaire la nuit là. C'est un fait. Ce n'est pas faux. C'est les serpents là qui parlent à leur place. Les Guinéens pensent que le serpent là c'est Allah. Non, 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 ça c'est pas Allah, ça c'est Shaitan. Les femmes, quand le serpent vient là, il veut rentrer, il faut dire Allah Akbar avec votre cœur et votre âme. Vous tirez le serpent, vous le découpez. S'il vient demain encore, vous dites que Allah Akbar. Vous appelez Allah. Vous tirez le serpent, vous aurez la force de le brûler. Tous les serpents qu'on vous propose là, ça donne le nom. C'est faux. C'est faux. On va vous amener dans les trucs de musique, dans les trucs de produits éclaircissants, dans les trucs de savon éclaircissant, dans les trucs de mort. C'est des conneries. Vous, les femmes qui me regardez, vous savez que c'est vrai. Quand vous dormez là, votre âme veut refuser l'affaire des serpents là. C'est vrai. La majeure partie des Guinéens ont ça. C'est les trucs des ancêtres. C'est ça qui fatigue ce peuple là. C'est ce qui fait que ce peuple-là n'a pas la clairvoyance. Il ne prie pas correctement. Il ne prie pas le vrai Allah. C'est ça qui fatigue la plupart des Guinéens. Oui, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. Et quand vous avez ça, les Ninginanga et les Sogoré et autres, toutes les femmes qui ont ça sont avec Alpha. C'est ça qui parle dans leur corps. C'est pas eux. Après, elles vont être dans les regrets plus tard. Yené Kaba a ça. Toutes les filles que vous voyez, elles ont tout ça. C'est pas caché. Donc voilà. À bientôt, mais en tout cas c'est Satan, ça c'est Shaitan, c'est ça qui te pousse à être injuste, c'est ça qui te pousse à mentir, c'est le dédoublement de, ça donne le dédoublement de personnalité. C'est des gens qui ont une belle âme, mais ça, ça salit leur âme. C'est pourquoi souvent les femmes là sont méchantes, tu les vois parler, tu dis comment une femme peut parler comme ça. Regarde Guéné Kaba, comment la dame là est mauvaise, les propos qu'elle a tenus c'est incroyable, c'est Allah qui voulait la démasquer. Que Allah subhanahu wa ta'ala continue à démasquer ces pervers là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à démasquer ceux qui font semblant d'être des musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous démasque. Toutes les femmes qui font semblant d'être des sunnas, qui font semblant d'être avec Allah. Allah n'aime pas le semblant. Il connaît votre fond. Il connaît ce que vous avez au fond de votre âme, de votre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre ces vraies personnes. Que Yah Kabir donne la grandeur aux femmes de la sunnah. Les vraies, vraies femmes que vous pensez qu'ils ne sont pas avec Dieu. Qu'Allah vous montre. Un de ces jours, tôt ou tard, que ceux-là, ils étaient avec moi et ils sont toujours avec moi. Qu'ils démasquent ces sataniques-là, qu'ils les brûlent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala brûle tous les symboles de Shaitan en Guinée. Qu'il brûle toutes les personnes qui sont avec Shaitan. Quelle que soit la méthode de brûlure, qu'il les brûle. Qu'il nous libère d'Iblis. C'est lui qui a créé la Guinée. Ce n'est pas Iblis, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une autre divinité. C'est Allah seul, l'unique. Il n'y en a pas 50 000. Il n'y en a pas 30 000. Verser l'eau le matin, donner les sacrifices par-ci par-là, c'est les chayatines, c'est Shaitan. C'est Shaitan. Retournez vers Allah, celui qui vous a créé. C'est lui qui vous a confié la Guinée. Appelez-le, il va venir. Si vous l'appelez sincèrement et honnêtement, il viendra dans n'importe quelle langue. Votre âme, votre cœur est connecté avec lui, il viendra. Moi, je l'ai appelé, il est venu. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Je pense qu'il peut vous sauver. Vous qui me regardez là. Allah peut vous sauver. C'est lui qui peut vous sauver. Oui, mais vos gens-là, ils ne sont pas avec lui. Ces démoniaques-là, ils ne sont pas avec lui. Ils ne sont pas avec Allah. C'est pourquoi ils n'aiment pas les peuples. C'est pourquoi ils se nourrissent des âmes peuples. Ne sortez pas. Ne sortez pas. S'il vous plaît, restez chez vous. Ce qui doit se passer, se passera. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Ils ont besoin de vos âmes. Cela les renforce. Cela les maintient. Restez chez vous tranquillement. Soyez sincères avec Allah. Priez-le. Dites-le que c'est lui seul qui peut vous enlever dans cette situation.
Il sortira des solutions. Il va sortir des solutions. Un peu partout, il va vous guider, il va vous donner la clairvoyance. C'est comme ça qu'il est. Quand tu es avec lui, il est avec toi. Tu es avec lui à 2%, il sera avec toi à 2%. Tu es avec lui à 0%, mais là, tu n'es pas avec lui. Tu seras avec Satan. Il va toujours t'humilier, te mettre dehors. C'est pourquoi ces gens-là sont tout le temps humiliés. C'est pourquoi ces gens-là ne méritent pas le respect. C'est pourquoi ils sont irrespectueux et ils ne sont pas respectables. C'est des voyous. Ces gens-là, c'est des voyous. C'est des délinquants. C'est des bons arrières. C'est des maudits. C'est des maudits d'Iblis et c'est des maudits d'Allah. Parce que même Iblis est fatigué d'eux. Parce que si tu démasques Iblis, tu vas te prendre à Allah. Iblis ne veut pas cela. Plaignons-nous à Allah. Marche arrière, faites la marche arrière pour sortir de ces, des bras de ces démoniaques-là, ce soulard drogué, ce voyou-là, un drogué à la tête d'un pays musulman. Il a voyagé avec sa maîtresse, il paraît. Je vous dis merci. Tous les jours, vous dites Amina, vous priez que l'islam triomphe. L'islam, quand ça triomphe, c'est ça la vérité, c'est ça la propriété, c'est ça la justice. Vous allez sortir de cette saleté-là. Regardez la route. Regardez comment c'est sale. L'islam et la saleté, c'est ça. La saleté, c'est Shaitan. La Guinée est sale parce que les âmes sont sales. La Guinée est sale parce que les âmes sont sales. La Guinée est sale parce que les âmes sont sales. C'est tout. N'allez pas chercher loin. On n'est pas sur le terrain d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a tourné dos. Faisons en sorte qu'il revienne. Sinon, un autre va venir. Ça sera encore pire. Même si quelqu'un gagne, ils vont falsifier. Partout où il y a falsification, ça, c'est Shaitan. C'est pas un président d'Allah, celui-là. Il est venu pour nous montrer que nous ne sommes pas avec Allah. C'est ça sa mission. Il nous a déjà montré ça. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Demain ou après-demain, n'ayez crainte, n'ayez peur de rien du tout. Aucun Guinéen n'est mieux que l'autre. Aucun. C'est semer des foyers. S'ils étaient des hommes, il fallait qu'ils se présentent. Voilà. Inch'Allah, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, doua ou birintongo. Alors, musulm guinéen, musulm la Guinée birinra doua ou tongo. Alors, ma doua ou tongo. Alors, on a qualifié musulm la Guinée birim. Alors, barque sa musulm la Guinée birinra combat. Fait. Alors, barque sa musulm la Guinée birim. Alors, barque sa ma. Alors, barque sa autant femme birim. Ne ré birim ma tout fait. Ne ré birim partager fait. Ne ré birim commenter fait. Guinée ne ré tantangri. Alors, kira ma c'est mauvais.